doctorante de première année à l'ICOA, dans l'équipe du professeur Richard Danielou. Le sujet de ma thèse s'intègre dans le projet GlycoPeps, ou synthèse chimio-enzymatique de glycoprotéines. En quelques mots, en fait, une glycoprotéine, c'est quoi? C'est des sucres qui sont fixés à des protéines. Il faut savoir que les protéines et les sucres sont des entités qui sont présentes chez tous les organismes vivants et ils jouent des rôles très importants dans de nombreux processus biologiques. Et en fait, le but de ma thèse, c'est de mettre au point, via les outils du génie génétique, des enzymes permettant de lier de façon définie des sucres sur des protéines. Dans le projet Edifice, en fait, le but était de transférer le savoir des laboratoires vers les lycées, et c'est ce qu'on a voulu faire ici, donc faire découvrir aux élèves les outils biotechnologiques que sont les enzymes. Donc l'objectif de cette première année a été d'étudier une enzyme polyvalente appartenant à la classe des glycosidases, qui est le lysozyme. Donc je vais laisser Anne et Théo vous introduire cette enzyme. Alors bonjour à tous. Alors dis-moi Anne, c'est quoi le lysozyme? Donc le lysozyme est une protéine globulaire de 129 acides aminés. Et quel est son rôle? Donc cette enzyme possède la capacité de casser les sucres qui sont présents à la surface des bactéries. Où est-ce qu'on peut en trouver? On peut trouver le lysozyme dans divers liquides biologiques comme le blanc d'œuf, les larmes, le mucus nasal, le lait, etc. Et quelles sont ses utilisations? Le lysozyme se retrouve dans de nombreux domaines comme l'agroalimentaire ou l'industrie pharmaceutique. Pour conclure sur notre aventure Edifice avec mes quatre petits apprentis chercheurs, les élèves ont pu découvrir et prendre en main différentes techniques de laboratoire. Ils ont pu extraire et purifier 2,5 mg de lysozyme. Et les perspectives pour les prochaines séances à venir et l'année prochaine seraient de tester l'activité de ce lysozyme sur une bactérie Micrococcus lysodeiticus, où l'on pourrait voir la destruction de la paroi bactérienne, mais aussi la formation de cristaux de lysozyme. Enfin, pour donner un bilan un petit peu général sur cette première année Edifice, ce fut une expérience plutôt positive, que ce soit de la part du laboratoire ou pour les élèves. Et pour ma part, je les remercie pour leur implication tout au long de cette année. Et je vais leur laisser la parole pour le mot de la fin. Ouais, déjà, moi, j'ai trouvé cette expérience très enrichissante et ça m'a appris beaucoup de choses dans le domaine de la biochimie et de la chimie. Voilà. Merci à tous. Ça m'a apporté beaucoup de connaissances et on a fait pas mal de manipulations, donc c'était très intéressant. Merci Laure. Pour ma part, ça m'a apporté beaucoup de connaissances au niveau des techniques pour utiliser certains outils qu'on ne connaissait pas. Puis ça a servi à connaître certains métiers du laboratoire. Ça nous a permis aussi de découvrir comment le milieu du travail des scientifiques, etc. C'était pas mal. Voilà, ce sera les lycéens qui vont vous présenter ça. Une présentation qu'ils ont fait eux-mêmes, d'ailleurs j'en suis extrêmement fier. Ils ont très bien travaillé pendant ces 6 mois, même si c'est que quelques heures. C'est des notions très difficiles à apprendre, surtout en chimie organique, vu qu'ils ne connaissent absolument pas ça. Ce qu'ils connaissent de la chimie, c'est de la chimie des solutions, on va dire, qu'on fait en lycée, un peu de chromatographie, toute simple. Il a fallu monter avec eux un projet qui se collerait au mieux par rapport à ma thèse. Et bon, il faut que ce soit utile quand même. Voilà. Ça a l'air de les avoir plu, donc je vais leur laisser la parole. Eh bien, on va leur demander. Et voilà. Allez-y, la parole est à vous. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter avec mes camarades et Geoffrey, dans le cadre du projet Edifice, la synthèse et modification de composés naturels extraits de plantes. Donc ce sujet consiste en l'extraction du sirop d'érable pour obtenir une molécule d'intérêt qui serait biologiquement active sur le diabète de type 2. Cette molécule d'intérêt subira diverses modifications de structure, aussi appelée pharmacomodulation, avant d'être envoyé en test afin d'avoir l'activité biologique correspondante, qui est aussi l'efficacité du médicament. En ce qui concerne les manipulations effectuées
en laboratoire. Un projet a été mis en place. Celui-ci consiste à extraire le génol du clou de girofle, puis lui faire subir une modification structurale qui amène à l'arôme de vanille, donc la vanilline. Donc nous avons pu, grâce au projet DEFIS, découvrir le milieu de la recherche, approfondir nos connaissances en chimie. Cela nous a aussi permis de conforter nos choix d'orientation et nous a donné aussi l'envie de poursuivre les années suivantes.